Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur une nouvelle recette top récup de Rosan. Alors, aujourd'hui, vous avez remarqué, changement de tenue, en tout cas pour cette première partie. Nouvelle recette très très différente de ce qu'on a pu voir jusque-là. Alors, il s'agit de réaliser, alors je ne suis pas tout seul, et de réaliser un buste de corps de femme entièrement en métal, en fait réalisé à partir d'écrous de tailles différentes. Des écrous, voilà, un écrou, voilà, c'est ça, c'est un objet hexagonal qu'on va souder les uns aux autres et recouvrir en fait le buste de ce mannequin. Alors, à partir de la soudure, évidemment, on va associer ces différents écrous. Les ingrédients nécessaires pour cette réalisation, eh bien, il nous faut un buste de mannequin. Alors là, il s'agit d'un mannequin entier, des pieds au cou, hein, on va dire. Mais ça peut être juste un buste de mannequin avec le relief, soit le recto, soit le verso, enfin l'ordre d'un des deux, on va pouvoir travailler, enfin en tout cas là, le recto. Alors, ensuite, il nous faut de la vaseline. Alors, je vous dirai pourquoi précisément de la vaseline. Il nous faut de l'eau, donc de l'eau dans un récipient, une casserole, une bassine. On a besoin de bande plâtrée, donc de la bande plâtrée, c'est de la bande pré-plâtrée, on va dire, qu'on va tremper dans l'eau et pouvoir habiller le mannequin. Besoin de plâtre fin, de plâtre classique, voilà. Et on va avoir besoin de spatule pour pouvoir gâcher le plâtre, voilà. Et ensuite, on va avoir besoin d'écrous. Alors là, je dirais, là, j'ai récupéré tout ce que j'avais dans mon stock. Trois tailles d'écrous. Des plus petits. Alors, les plus petits font 13 mm de largeur. Là, j'en ai deux dans les doigts. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors là, il y a une bonne poignée d'écrous. Hein, il en faut suffisamment pour couvrir en fait l'intégralité du buste, de toute la surface qu'on veut travailler. J'ai une deuxième taille, ils font 16 mm de diamètre. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais enfin voilà. Donc là c'est pareil, j'ai une bonne poignée d'écrous de 16 mm. Et puis une bonne bolée d'écrous, alors un peu plus, eux ils sont un peu plus larges, font 18 mm. Ça fait la taille le diamètre d'un pouce, hein, on va dire, voilà. Donc ça, c'est pareil, ce sont des écrous périmés, récupérés. Donc tout ça, ce sont des ingrédients nécessaires. Ensuite, on va avoir les ustensiles nécessaires. Les ustensiles, là, pour l'instant, c'est très simple. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux pour pouvoir couper la bande plâtrée, voilà. On va avoir besoin d'une bassine, d'un récipient pour mettre de l'eau, tout simplement. Et on va avoir besoin, à un moment donné, pas tout de suite, mais très vite, on va avoir besoin du poste à soudure, celui que vous connaissez maintenant, le poste de soudure avec les électrodes. Voilà, donc là, à partir de là, on a tous les ingrédients et tous les ustensiles. Et évidemment, les équipements qui vont avec. Alors, le principe, on pourrait se dire, il suffit de prendre le mannequin, de poser les écrous dessus, de souder les écrous. Le problème, c'est qu'on va avoir toutes les soudures qui vont être apparentes sur le mannequin, sur le verso, le recto du mannequin. Alors qu'en en prenant l'empreinte avec le plâtre, donc on va travailler dans l'empreinte, dans le moule créé avec le plâtre. Ce qui fait que toutes les soudures, on va les créer à l'intérieur du moule et on aura toutes les soudures, toutes les liaisons de tous les écrous dans le verso du buste et non pas apparente sur le recto. Donc c'est là l'intérêt de prendre l'empreinte du corps et de pouvoir ainsi
avoir sur le recto un assemblage qui semble totalement, où les écrous semblent totalement indépendants les uns des autres. Voilà, sans soudure apparente. Voilà déjà la première base. Ben, on va commencer, je vous invite à commencer par installer les bandes plâtrées, enfin la vaseline, je vous ai expliqué, la vaseline et les bandes plâtrées sur le buste. Donc ben, la première étape va consister à déjà, on va donc disposer les bandes plâtrées sur le corps du mannequin, mais pour qu'il n'y ait pas une adhérence de la bande plâtrée sur le mannequin, on va enduire le mannequin de vaseline, ce qui fera une petite couche, une petite pellicule qui évitera l'adhérence du plâtre pour ensuite pouvoir démouler correctement le plâtre. Donc là on y va avec les doigts, hein. Donc là on va venir enduire gentiment partout, surtout dans là où ça accroche dans les intersections, notamment ici là. Voilà, et on va enduire complètement la surface de vaseline. Alors, on ne sait pas la peine de dépasser le trait, hein. On va jusqu'au trait, jusqu'à la moitié. Alors, il faut éviter d'en mettre trop épais, parce que sinon, si on a du relief, eh ben, le relief, on va le retrouver dans le plâtre. Donc, si on veut quelque chose de très fin, il faut y aller très finement. Voilà. Donc là. Bon, j'avoue que c'est pas un boulot désagréable non plus, ça. Mais bon, enfin, c'est un boulot nécessaire. C'est un peu obligatoire. On peut pas faire l'économie de cette phase-là. Bien, ben une fois qu'on a mis de la vaseline partout sur le buste, on va continuer. Maintenant, on va mettre les bandes plâtrées les unes superposées, enfin avec une légère superposition, et on va complètement recouvrir l'ensemble du buste. Alors, là, j'ai enlevé les bras, c'est plus simple parce que pour arriver à travailler à la fois l'épaule et sous-bras, on les remettra après pour l'épaule. Voilà, ben là, on prend de la bande. On va mesurer la coupe de la bande, on va commencer ben, là au milieu. Donc on va avoir besoin ici de couper là. Voilà. Et là on va venir tremper la bande dans la machine d'eau. Puis on va venir la placer sur le corps. Donc on trempe la bande et on va venir la placer à l'endroit, voilà, donc il faut bien la plaquer pour bien suivre toutes les formes, tous les creux, toute la forme du corps. Alors, on va mettre un petit peu d'eau partout. Donc, surtout qu'il n'y ait pas de bulle d'air, hein, si on ne veut pas perdre le relief du corps, donc c'est bien tamponné partout pour que la bande épouse bien la forme. Et on recommence. Et on continue. On va mettre une deuxième bande là, on va aller de là à là. Et là, on coupe. Donc là, je superpose à peu près d'un centimètre par rapport à la bande précédente. Et on recommence. Donc, bien tendu. Et on vient la superposer à peu près d'un centimètre par rapport à la précédente. Voilà. Donc évitez les plis. Bien la tendre. Ça épouse bien la forme du corps. Voilà, c'est un petit peu long, mais voilà.
vaseline va faire que ça va pas, le plâtre ne va pas coller au mannequin. Il y aura une petite pellicule de vaseline qui va faire que on pourra parfaitement bien démouler le plâtre après quand il va être sec. Et bien on continue et on va ainsi de suite recouvrir complètement le corps du mannequin. Bien, ben voilà, déjà on a fait une première couche de bande plâtrée. Donc là on voit que le mannequin, ça y est, il est complètement recouvert, enfin le buste est recouvert. Là, à partir de là, on va faire une deuxième couche croisée dans l'autre sens. Pareil, en respectant voilà, le buste qu'on souhaite faire. Et puis après on va laisser sécher et on fera une petite couche de plâtre après. Voilà, c'est parti pour la deuxième couche. Pareil, on coupe des bandes et on croise. Et bien ça y est, là on a passé la deuxième couche de bande plâtrée dans le sens de la longueur. Donc on a notre mannequin qui est totalement plâtré. Donc il s'agit maintenant de donner de l'épaisseur à cette couche de plâtre, parce que ça va être très sollicité après. Lorsqu'on va l'enlever, on va le manipuler, on va travailler à l'intérieur. Donc on va lui donner de l'épaisseur. Et ça, l'idée, ça va être de travailler avec du plâtre, cacher du plâtre. Donc on prend un petit peu d'eau, donc je ne sais pas, il y a un petit demi-litre d'eau à peine. Et on va mettre du plâtre qu'on va verser dans l'eau jusqu'à obtenir une pâte un peu compacte. Et puis après, on va l'étaler avec la spatule. Alors, je vous conseille de ne pas faire une grosse quantité d'un coup, parce que le plâtre a tendance à durcir très vite. Donc pour éviter de gâcher, on va en faire une petite quantité. Donc on met de l'eau d'abord, on met le plâtre après et ensuite on vient gâcher l'ensemble. Voilà, là on a commencé à avoir quelque chose de bien compact. Voilà. Donc là c'est compact, c'est quand ça tient dans la spatule. Eh bien on va commencer, on va se mettre bien. On va commencer par le haut du corps. On va commencer par le haut, puis on va descendre progressivement. Alors on essaie de ne pas trop déborder. Hein. Bon, on n'est pas. L'aspect extérieur n'est pas très grave. On y va grossièrement. L'idée c'est d'avoir de l'épaisseur. Donc on n'est pas dans le détail. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du moule lorsqu'on va tout sortir. Voilà, donc là on va, je ne sais pas si vous voyez bien, à la télé. Bien, ben voilà, ça y est, notre buste est entièrement recouvert de plâtre sur une couche à peu près d'un centimètre. Alors, bon, en gros, on va utiliser sur un sac de 5 kg, on a dû utiliser pratiquement 3 kg. Voilà, donc ça c'est terminé. Reste à laisser sécher tranquillement. On va laisser jusqu'à demain sécher. Et puis demain, on va, grâce à la vaseline qu'on a mis sur le mannequin, on va détacher toute la carapace en plâtre du mannequin. Et ensuite, on va travailler à l'intérieur avec les différents boulons qu'on va venir sous
plus qu'à attendre demain. Bien, après une bonne nuit de séchage, on a notre buste de plate qui est sec. Et puis on va venir avec la spatule décoller un peu le tour. Alors, grâce à la vaseline, ça va s'enlever facilement. Bon, ça peut-être un peu coller un peu, mais on va arriver à décoller. Déjà, je sens que ça se décolle. Voilà. Donc là, on enlève complètement le moule. Voilà. Donc on a le. Eh bien, pour toi, là, c'est terminé pour l'instant. On va te poser là. Et voilà, et on va travailler sur le. Voilà, à l'intérieur du moule, voilà, où là on va pouvoir disposer nos différents écrous. On va tapisser en fait, on va complètement tapisser l'intérieur avec nos différents écrous de tailles différentes. Voilà, donc là on va venir disposer à l'intérieur. Alors, on va respecter un petit peu le. Par rapport au relief intérieur du moule, soit des écrous plus petits, soit des écrous un peu plus gros, ou des écrous encore un petit peu plus gros. Plus on va avoir des formes précises, on va utiliser plutôt des petits pour pouvoir avoir un galbe avec les plus petits, plus facile. Et puis quand on va avoir des parties plus plate, enfin avec moins de courbes, utiliser des boulons un peu plus gros. Voilà. Ben là, on va commencer à tapisser notre moule, et puis ensuite, on va aller souder un par un, chaque écrou, les uns après les autres, les uns entre les autres. Hein. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué pour ramener le courant électrique, parce que là, on a un moule en plâtre, donc évidemment, le courant, ça passe pas. Il faut absolument amener le courant sur au moins un premier écrou pour que le courant communique au second écrou et ainsi de suite. Donc là, on va bricoler un truc avec un fil électrique sur une constation dure. Donc là, évidemment, venir mettre le courant électrique sur un écrou qui est au fond du moule, c'est quasi impossible. Donc là, on va lui mettre un morceau de fil électrique qui est dénudé de chaque côté, une partie dénudée qu'on va mettre dans la pince ici, donc le courant électrique, et puis on va nous utiliser juste l'autre partie dénudée pour amener le contact électrique sur le premier écrou et ensuite sur le second et ainsi de suite jusqu'à tapisser entièrement le moule. Voilà. Bien, nous allons commencer à disposer les petits écrous à l'intérieur. Alors, je vais commencer par la poitrine avec les deux petits écrous borgnes. Donc, c'est des écrous qui sont bombés, pleins, qu'on va mettre dans les trous au niveau des tétons. Et puis ensuite, je vais déjà poser le premier. Voilà. Poser le deuxième. Donc, dans les trous des tétons. Et ensuite, disposer autour des petits. Des petits écrous qu'on va venir disposer autour et ensuite venir les souder les uns avec les autres. Donc là, électrode de 2,5 mm et quand on est prêt, on y va quoi. Donc j'amène le jus sur le premier écrou. Et quand je suis prêt, alors je vais déjà amorcer ma baguette avant pour être sûr que ça fasse ça part tout de suite. Oh.
Ensuite, je déplace mon câble électrique et je continue. Et puis, ben, comme ça, on avance. Alors, c'est un petit peu long parce que même si c'est qu'une seconde de point de soudure à chaque fois, il va quand même y avoir quelques centaines d'écrous à souder les uns aux autres pour remplir complètement le moule. Voilà, ben, on continue. Bien, ben là, on va faire une petite pause, on va regarder où on en est. Plus qu'une petite demi-poêlée de boulons brillants. Il reste assez peu, même d'un peu plus gros. On va regarder ce que ça donne. Alors, ça commence à être un petit peu lourd. Hein. Alors, on va enlever la cale. On a quand même. On a fait presque les trois quarts, un bon deux tiers. Mais ça avance, hein. On va finir par les côtés et le bas. Et puis, alors, c'est pas très joli vu comme ça, parce que c'est le côté verso, il y a tous les points de soudure. Mais dès qu'on va. Ben, j'ai un peu hâte d'ailleurs de le voir sur ce côté recto, voir un peu ce que ça donne. Après, sachant qu'il va falloir un peu le décaper, le brosser, le nettoyer. Et puis, après, on va découvrir ça petit à petit. Ben, on va continuer, et puis, en espérant qu'il y ait suffisamment d'écrous pour finir, et peut-être qu'on lui fera un petit peu en bas, comme une petite bande sur les deux jambes, comme le haut des bas, un peu plus opaque, un peu plus noir, voilà. Ben, on continue et puis. Voilà. Bon, ben, a priori, c'est terminé. On va quand même, avant de démouler, séparer la réalisation du moule, nettoyer un peu à l'intérieur pour vérifier s'il n'y a pas des soudures qui seraient ou cassées ou des manques de soudure simplement. Donc on va déjà regarder ce que ça donne. Alors, voilà donc l'ensemble totalement terminé. Donc avant de le sortir, on va être prudent d'ailleurs parce que même le moule peut resservir. Si on veut refaire le même buste, on peut réutiliser le moule. Le plâtre résiste parfaitement bien à la chaleur de la soudure. Ça ne se dégrade pas. Alors, par des petits morceaux qui peuvent s'éclater parce qu'on le manipule, mais ça peut tout à fait resservir. Donc on va brosser l'intérieur, nettoyer toutes les soudures, refaire celles qui méritent d'être faites, et après on sort. Voilà, donc on va. Voilà, donc on va nettoyer, donc à la brosse, petit marteau, et on vient piquer toutes les soudures. Alors, il y en a un paquet, hein, il y en a quelques centaines, hein, peut-être même quelques milliers. Entre chaque écrou, il y a en gros 2, 3, des fois 4 soudures. Multiplié par le nombre, d'ailleurs pratiquement tout a été utilisé, il ne reste plus qu'une poignée d'écrous. Les petits, tout a été utilisé, il en reste deux je crois, et puis après les moyens, il en reste à peine une douzaine. Et puis après les un peu plus gros, ça il y en a encore 4-5. Voilà. Donc on avait deux poils bien pleines. Et on avait une boîte aussi, boîte comme ça, pleine aussi. Donc là, quasiment tout y est passé. Voilà. Donc ben, on va nettoyer les soudures, et puis on va vérifier, refaire ce qu'on a besoin, et après on le sort. Bien, ben, maintenant que
l'ensemble a été vérifié et à peu près nettoyé à l'intérieur, on va pouvoir démouler l'ensemble. Donc là, on retourne et puis on va enlever le plâtre. Ça accroche un petit peu. Voilà. 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 Donc notre moule, bon, il a un petit peu souffert, on le voit à l'intérieur avec toutes les traces de brûlure, mais il peut tout à fait resservir pour faire un nouveau buste avec un nouveau mannequin. Voilà. Ça, on va le garder, ça va nous servir, ça peut nous resservir. Et là, on va découvrir, eh bien, le mannequin en métal, complètement terminé. Reste à le, pareil, à les finitions, à le brosser, alors déjà à la brosse métallique, avec la disqueuse, avec le disque à lamelles, pour faire briller un peu l'ensemble. Mais voilà, donc on a un buste magnifique. Alors c'est, ça fait quand même son poids quand même, hein. Je sais pas précisément, mais c'est pas léger léger. Voilà. Eh bien, bah, y a plus qu'à le nettoyer et puis on voit ça tout de suite après. Donc voilà déjà, après un petit peu de nettoyage avec la disqueuse et le disque à lamelles, avec brosse métallique, nettoyage. Alors, là, on voit déjà que c'est nettoyé, il reste à nettoyer encore le haut. J'ai pris aussi, alors on voit essentiellement des écrous, mais aussi j'ai mis là, sur la partie en haut des jambes, la chaîne de moto, des deux bandes de chaîne ici et là, qui représentent un peu les bas, en fait, le haut d'un bas. Voilà. Reste à nettoyer bien disqué partout, passer la brosse, ensuite aussi la brosse rotative qu'on va mettre sur la berceuse pour finir de brosser, et puis aussi peut-être lui faire un support ou un socle pour ou un système d'accrochage pour le mettre au mur. Voilà aussi. Alors, sachez aussi que là on a utilisé un mannequin type mannequin de vitrine, mais on peut tout à fait réaliser la même chose, totalement personnalisé, à savoir qu'on peut prendre l'empreinte d'un corps, quel qu'il soit. Voilà, si vous souhaitez avoir votre buste chez vous, on peut très bien prendre l'empreinte de la même manière, bande de plâtre et plâtre de votre corps, d'une partie du corps, ça peut être des mains, ça peut être un ventre, ça peut être ce qu'on souhaite, et puis voilà, réaliser exactement la même chose à la forme de votre corps ou de votre buste. Voilà, ben, on va continuer à nettoyer et puis on verra un petit peu ce que ça donne une fois que c'est tout propre et tout verni à la fin. Bon, ben, là on est toujours en cours de nettoyage, ben, ça commence un peu à prendre forme et on voit bien la différence, je sais pas si c'est très clair, mais ben, très net visuellement, entre la partie du haut du corps ici, avec les écrous les plus petits, avec ensuite des écrous qui s'élargissent un peu vers le bas, sur le ventre, et puis sur les jambes, avec effectivement ici les chaînes de moto découpées ici et soudées avec l'ensemble. Pareil aussi, au niveau du nombril aussi, là il y a une reprise de petits écrous, les mêmes qu'en haut. Voilà, et puis les deux petits écrous-borgnes ici, voilà, bah on approche de la fin, il reste encore un peu de nettoyage, et puis bah, dès que c'est fini, bah, je vous montre le résultat terminé, voilà. Bien, bah, ça y est, le nettoyage est terminé, alors on va pouvoir voir ce que ça donne à la fois sur le recto et sur le verso.
Alors, sur le recto, ben voilà, tout est nettoyé, propre. Et sur le verso, ben là, on découvre tous les points de soudure. Il y en a quelques centaines. Hein. Voilà, sur le verso, je ne sais pas si on voit très bien le résultat. Voilà, donc tous les points de soudure ici. Ah, c'est un peu comme une espèce de espèce d'armure, quoi. Voilà. Bah, c'est terminé. Suite au prochain épisode.